Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment monter les mailles sur une aiguille sans excédent de fil. Donc d'abord, on fait comme pour le crochet un nœud coulant. Donc une fois qu'on a son nœud coulant, on va monter les mailles comme ceci. Donc on fait une boucle autour du doigt, on passe le crochet, l'aiguille à l'intérieur, on sort le doigt et on tire. Ça permet de ne pas devoir évaluer l'excédent de fil au départ et aussi de moins gaspiller de fil. La différence, c'est que quand on va commencer à tricoter, ça va faire un petit fil. Je vais vous faire voir. Donc je vais vous faire voir avec du point mousse. Ça va faire une espèce d'écart entre les deux, mais c'est juste sur le premier rang. Ensuite, ça va se resserrer et ça aura exactement le même rendu que si vous avez mis un excédent de fil au départ. Bon, là j'ai sorti mes mailles, j'ai dit. Le second rang. Comme ça, vous verrez que au final, ça fait la même chose. Voilà, au deuxième rang, on voit qu'en fait, ça a exactement le même résultat que si on avait mis un excédent de fil au départ.